Alors, chers invités, vous allez souffrir. Et je retiens encore ici, bienvenue à notre très droit et grand. Mesdames et messieurs, nous avons quelque chose qu'on partage dans les pays, mais comme nous sommes un peuple fort, un peuple dynamique, solidaire et fraternel, nos ancêtres nous ont précédés. L'hymne national de notre village, je vais devoir imiter le rythme qui nous tient à cœur, qui nous porte très loin et qui nous est très fraternel. Merci Majesté de vouloir vous lever. Merci. Si la Majesté est prête, on peut y aller. Monsieur les rois, veuillez venir là. Dieu nous est un goyon. Est un goyon. Aïeux, me l'a tissaï. N'aime pas si on va gérer là. Dieu nous aussi. Ensuite, nous allons demander au chef de communauté de rendre un chaleureux hommage à notre roi. À la suite. Ensuite, nous allons demander au chef de communauté de rendre un chaleureux hommage à notre roi. À la suite. Voilà, bon, j'ai été là. Voilà, bon, j'ai été là. Il est là, là,
sans voix sourde, aider ma congo bébé. Quand on vous dit, bon à moi, papa, mais tu es là. Bon, ouais. Côte-moi. Bonjour Majesté, bienvenue par Luno. Je suis Osbert Deonta, le chef de la communauté Banga Pabuda de France. Merci. Je suis mon papi, la grande royale, chef de communauté du roi Ngapon, lui, le roi du groupement Banga. Et en même temps, porte-parole de la confrérie des Héros. Soyez la bienvenue. Chez la communauté Bambou en France. Merci. Frère Bernard, il y a 20 ans, il passe Jean Bernard, chez la communauté Bambou d'Europe. Frère Bernard, c'est le cas. Merci aux ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais inviter ici la présidente de l'OTAN. J'invite la présidente de l'OTAN, Bachimou, ou son représentant, le vice-président qui se rapproche. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Azibou. Mes chers frères, mes chers amis, mes chers notables, je suis très ému de vous voir ce soir rassemblés ici. Je m'excuse parce que la présidente, vous avez compris que c'est une présidente qui est là, mais vous pouvez être un président. Je suis un grand. Elle n'est pas. Je vous remercie grandement. Chez notables, les bailleurs notables, Oui, je vous remercie, les chefs notables, les chers chefs de famille. Et je dis une fois de plus au roi Nana Robert. Papa, merci. J'ai eu trop de temps en train de nous assister. À un moment, on était ici comme des enfants égarés, comme des bébés égarés. Ça fait 2 ans que tu viens trop de temps pour nous regarder.
Parce qu'au moment, on croyait que nous sommes des frères. Aujourd'hui, on croit que nous avons un roi qui nous console, qui vient vers nous. Ce soir, c'est une soirée vraiment très merveilleuse. Merci, papa. Merci. Merci. Je ne saurais dire merci à notre chef de famille. Taf, Alexis, qui met toutes ses énergies pour que cette fête, et tout le temps, ce monsieur ne sait pas comment il fait pour faire avec son boulot d'avocat et s'occuper de nous. Papa, merci. Et je dis, je le dis encore une fois de plus au dynamique femme Bachingo, avec sa représentante, madame Diane Poso. Cette femme est une femme dynamique. Mes chers frères, je ne serai pas très long. Je vais seulement dire merci une fois de plus à tous les chefs de famille ici présents, à tous nos sœurs qui sont quittées de nous, de tout le coin de la France, de l'Europe pour venir nous assister ce soir pour la soirée que nous allons faire introniser certaines personnes de notre société. Et que moi, je dis que moi, étant vice-président de Bachingo et de Tabachingo, je vous souhaite la bienvenue. Donc, je ne serai pas très long, mais je vous dis que ce soir, mes chers frères, mes chers membres, mes chers mamans, mes chers membres, je vous adore, vous êtes très belles ce soir. Mignon. Et que le Seigneur qui vous a amené ce soir ici, dans cette maison, avec la présence du roi, qui vous amène à bon port. Et que tout se passe très bien. Merci. Mille fois merci. Je mets la main sur mon cœur pour dire merci. Au nom de la famille, Bachingo, au nom de tout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer par la locution de la marraine des reines-mères. J'invite donc la marraine des reines-mères sur vos ovations, s'il vous plaît. Qui doit nous dire un mot au rang de son charisme, de toute sa notabilité. Merci d'en être parmi nous. Majesté, roi des Bachingo, illustre représentant des rois de l'Ouest et du littoral, chers notables, chères élites, illustres invités, bonjour et bienvenue dans cette très belle salle. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la communauté Bachingo d'Europe. Mon propos ne sera pas long, il va commencer par une petite histoire. Il y a un peu plus de 20 ans, mon père et ma mère m'ont dit « Nous sommes invités à la chefferie Bachingo ». Je ne connaissais rien. Nous sommes arrivés à la chefferie Bachingo. Pendant que je discutais avec des gens, on m'a appelé, on m'a habillé, et le roi, mon papa, a fait de moi une reine-mère de la chefferie Bachingo. Je voudrais appeler mon grand-père qui est dans la salle, l'ancien chef de communauté d'Europe. Je vais lui prier de me rejoindre également. La personne qui a parlé il y a 2 minutes en tant que vice-président des notables de France, le petit frère de ma mère, et notre ancien chef de communauté en Europe, tonton Dieu de Mégomou, c'est également le petit frère de ma mère. Je tiens à faire ce mot avec eux pour répondre et pour dire que nous sommes unis. Et nous ne sommes pas là par hasard.
pérenne, je ne connaissais rien à la tradition et je ne savais même pas ce que ça voulait dire être une reine-mère. Il m'a tout appris, que ce soit dans la tradition ou dans la compréhension du respect des aînés et des notables. Je le dis parce que tout à l'heure, nous allons anoblir certains frères et sœurs. Ne demandez pas pourquoi tel ou tel a été choisi. Moi, quand j'ai été anoblie, je n'avais rien fait au village, rien. Mais après mon anoblissement, j'ai demandé ce que ça voulait dire. Mon père et ma mère m'ont expliqué, mais j'ai surtout retenu que j'allais être enterrée à Bachingo. Et je leur ai dit, mais au lieu de venir à Bachingo avec mon corps, il faudrait que j'apprenne à connaître Bachingo. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'investir et de m'investir dans le développement du village. La première maison que j'ai construite est à Bachingo. Chers frères et sœurs, vous allez être anobli tout à l'heure. C'est un geste important dans la vie traditionnelle d'un être humain. L'anoblissement, ce n'est pas pour porter un titre. Ce n'est pas pour faire une carte de visite et dire « je suis devenu ». C'est un appel à contribuer dans le développement de la chefferie et du village et du chef qui vous a fait devenir notable. Je voudrais vous demander solennellement de prendre date. C'est la première fois que dans la communauté Bachingo en Europe, on puisse confirmer l'installation de tant de notables. Je voudrais remercier solennellement notre chef de communauté que je vais appeler ici, Maître Docteur Tafiogounou Alexis, qui est mon frère et qui est devenu mon frère. Et que je remercie, je voudrais vous dire, sans cet homme qui a œuvré jour et nuit, en même temps que tous ceux qui l'ont précédé, pour faire de la communauté Bachingo ce qu'elle est aujourd'hui. Et je remercie tous d'avoir répondu aussi nombreux présents aujourd'hui, parce que c'est un événement important pour notre communauté. Je vais terminer par vous dire, chers invités, illustre chef de communauté, chers notables, pour vous dire à mes frères et sœurs qui vont être anoblis tout à l'heure, n'attendez rien. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour Bachingo? Ne dites plus, le roi n'a jamais rien fait pour moi, il ne fait rien, Bachingo ne me donne rien. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour Bachingo? C'est la seule et unique question que vous devez vous poser. Et faites selon votre cœur. Et au moment où vous vous attendrez le moins, la récompense viendra. Je vais également terminer par une petite histoire. En 2018, lorsque le roi pleurait sa sœur, qui est ma mère, la sœur de mes deux oncles qui sont là et ma mère, on va dire, la reine supérieure, la maman qui a mis au monde notre roi qui est là, elle est venue et elle m'a mis un collier au cou, c'est celui-ci. C'est l'une de mes plus grandes récompenses depuis que je suis à Bachingo. Merci. Et bonne célébration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre marraine des reines-mères. Sans plus tarder, le Cameroun est un pays amour, de partage. C'est pour ça que je vais inviter ici le représentant, le chef de communauté, pour dire un mot à cette occasion. Bienvenue parmi nous. Majesté, grand notable, je ne parlerai pas des chefs de communauté puisqu'ils sont présents parmi vous, ils sont des grands notables également. Chefs de communauté, notables de Bachingo et d'ailleurs, chers invités, soyez les bienvenus. Merci.
que nous soyons là cet après-midi. Je prends la parole ici présent au nom de la communauté du Haut Conseil des chefs de communauté camerounaise d'Europe. Je dis bien le Haut Conseil des chefs des communautés camerounaises d'Europe. Je ne vais pas présenter cette instance puisque, à mon humble avis, il a été régulièrement présenté à chaque fois que nous nous trouvons. Mais, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il peut y en avoir, le Haut Conseil est une instance ouverte, connue de tous ceux qui sont ici en France. Elle est ouverte, donc sans exclusive, et elle est suffisamment vieille pour avoir un passé, puisqu'elle remonte déjà au moins à 10 ans d'existence. Tous les chefs de communauté sont donc appelés à adhérer en fonction de leur desiderata à cette instance. Nous vous remercions beaucoup. Je parlerai ici au nom de tous ceux qui sont présentés tout à l'heure. Il ne s'agit pas des chefs de communauté de l'Ouest, il ne s'agit pas des chefs de communauté d'Ouala ou d'ailleurs, mais uniquement des chefs de communauté camerounaises. Nous n'avons pas d'exclusive. La preuve, ma collègue qui est ici présente, c'est une femme qui est également chef de communauté. Donc, parmi nous, il y a femme, il y a homme, il y a eu dans un passé un petit peu, je ne dirais pas éloigné, un chef de communauté qui était de la région de Sanaga Maritime. Donc, le Haut Conseil est ouvert à tous s'ils sont chefs de communauté de leur village respectif, ambassadeurs de leur roi présentés par nous. Je ne finirai pas sans remercier notre maître, notre grand Alexis, parce qu'il a été de ceux-mêmes, étant avocat, de celui qui a mis sa touche pour que nos statuts soient reconnus comme tels. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on dit par hasard. Nos textes sont reconnus, c'est une association loi 1901, donc nous agissons en ces termes et en cette qualité. Merci beaucoup, Majesté, d'être parmi nous ce soir. Et nous pensons qu'au fur et à mesure des travaux qui vont suivre, si nous pouvons encore intervenir, peut-être que nous reviendrons. Mais soyez bienvenus parmi nous. Et merci encore. Merci les collègues. Merci à tous. Si tu as un petit peu de choses à dire. Bonsoir à tous, bonsoir mes pères qui sont là, mes collègues, les élites et toutes les princesses et dignes fils du thé qui sont présents ce soir. Je suis présentée tout à l'heure, je suis Monvoapi, je suis la grande royale de la chefferie Banunga et représentante en même temps. Je parle ici en tant que porte-parole de la confrérie thé. Donc c'est aussi un pan de ce que mon collaborateur et collègue a dit tout à l'heure, parce qu'on a un grand ensemble des représentants du Cameroun, et là-dedans se font plusieurs sous-ensembles, le Haut Conseil, ainsi que la confrérie et les communautés Sawa de l'Est et tout. Donc nous essayons de former ce bloc pour pouvoir représenter davantage notre culture dans la diaspora. Je ne terminerai pas sans vous remercier de votre présence, parce qu'à chaque fois que vous êtes là, vous nous apportez encore plus dans les traditions, nous qui sommes garants de cette tradition-là, afin que nous puissions aussi les transmettre dans nos différentes familles. C'est aussi un moment de partage que nous apprécions beaucoup. Je vous en remercie. Soyez la bienvenue et que le Dieu de nos ancêtres vous comble de grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
à nos chers représentants de communauté. Sans plus tarder, chers invités, je vais inviter celui qu'on ne présente plus, on l'a déjà présenté plusieurs fois, à maintes reprises, lui rendre hommage, tous les jours c'est des hommages, mais l'hommage n'est jamais assez. À tous ces lieux, tout honneur, quand on mérite, on reçoit, sous le contrôle de notre très grand chef, j'invite ici Tafia, Alexis, sous vos ovations s'il vous plaît. Yata, donc on va, tout le jour, c'est mon bon papa, mon bon papa. Je voudrais que deux personnes viennent avec moi, le chef de communauté Bachimou de l'Égypte, qui a tenu à faire le déplacement, le chef de communauté Bachimou de Yaoundé, qui a également tenu à faire le déplacement. Nous sommes très en retard et je vous prie de nous pardonner. Je sais que on dira qu'on est habitué, mais c'est quand même assez fâcheux. Avant que je dise un mot, s'il vous plaît, juste dis bonjour, le B, ça me ferait plaisir. Donc moi, je voudrais tout simplement dire merci à notre roi pour le déplacement fait. Et je suis ici pour représenter la communauté Bachimou de Belgique pour honorer cette soirée. Merci. Noao, un homme, c'est la vision. Et je voulais que vous applaudissiez pour notre roi qui a cru en moi. La deuxième personne que vous allez appeler, c'est mon grand frère, le docteur Tchengou Ndjomou, qui est mon conseiller. Si vous voyez là où il m'a fait, c'est lui qui est mon conseiller, donc je ne sais pas pour ça. Enfin, je remercie le maître Tafi qui m'envoie une idée. Et vraiment, je suis content d'être à Paris. Merci beaucoup, merci pour une bonne place. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être long, mais je voulais simplement, vous l'avez déjà dit, mais ça mérite quand même de le préciser, un grand merci sans fin à Sa Majesté André Flobert Nana, qui à chaque fois qu'il arrive ici en Europe, ne manque pas de nous donner l'occasion de nous retrouver. Un grand merci à tous mes pères et confrères, chefs de communauté, qui ont tenu à venir en nombre. Je suis très honoré. À tous les distingués notables ici présents, mille fois merci et bravo, bravo d'être venus en nombre. Un merci particulier, j'allais dire, à mon confrère et par ailleurs grand notable de la communauté Bazou, qui représente The Jaga, qui a pris la parole tout à l'heure. Mes chers frères et sœurs, on y est. On y est, ça fait exactement 12 ans que le roi n'avait pu souhaiter honorer certains de ses fils. La dernière, c'était en 2011. Et avant 2011, je pense qu'il y a eu un événement en 2001. Quand vous faites vos calculs, vous vous dites qu'en 2032, le roi va encore penser honorer ses enfants. Ceci étant, nous sommes là aujourd'hui, pas uniquement pour ça, mais aussi pour que vous preniez connaissance du nouveau bureau Bachimou qui va prendre fonction. Ce bureau sera installé tout à l'heure. Et nous sommes aussi là parce que aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes contents. Nous sommes contents, nous sommes même très contents. Vous savez, quand ça va mal, on crie, on critique. Mais quand ça va bien, ou quand ça va aller bien, il faut le reconnaître. Je voudrais que vous compreniez que l'objet de notre joie immense,
c'est que pour la première fois depuis des décennies, de très longues décennies, nous sommes en train de bénéficier du bitumage de l'axe principal qui va traverser le village Bachimou. Nous sommes également en train de bénéficier de deux bâtiments, près de 12 salles de classe, au CS bilingue de Bachimou. Nous sommes également en train de bénéficier de la construction d'une salle technique au lycée technique de Bachimou. Tout ceci n'a pu être possible que grâce à l'action de Sa Majesté André Fauvel, que je remercie encore amplement. Mais vous vous doutez bien, Sa Majesté, malgré sa bonne volonté et toute son énergie, ne peut pas avoir les finances, à moins que je le sache, Majesté. Donc, nous avons bénéficié d'un financement, et ce financement, nous l'avons obtenu par le CERA, sous l'impulsion de Madame la Première Dame du Cameroun, et surtout, sous le conseil et l'égide de Madame la ministre Célestine Courtès. Je vous demande de vous lever pour ovationner ces personnes, mesdames et messieurs. Je voudrais que vous fassiez comprendre à Madame la ministre Courtès que la diaspora Bachimou, la communauté que je représente, est immensement fière de ses actions, de ce qu'elle fait au village et qu'elle transmette à la Première Dame du Cameroun tous nos sincères et chaleureux remerciements. Merci beaucoup. Merci. Merci. Seulement, j'ai commencé par passer la pommade avant de vous annoncer la douloureuse. La douloureuse, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, c'est tous ces travaux que j'ai énumérés vont coûter plus de 600 millions de francs CFA. Et la condition pour pouvoir bénéficier de cette largesse de Madame la ministre Courtès, c'était que les Bachingou apportent 100 millions. Si je vous le dis, c'est parce que malgré notre bonne volonté, malgré notre énergie, nous n'avons pas pu réunir cette somme. Et aujourd'hui, je me dois de me tourner vers vous, de me tourner vers les chefs de communauté, de me tourner vers les notables, de me tourner vers les élites, pour vous dire, aidez-nous à parachever ce chantier. Nous allons disposer une urne dans la salle, urne dans laquelle vous pourriez gentiment glisser une petite enveloppe. Et parce que je sais que vous allez me dire, ah ben on n'était pas prévenu, on ne savait pas, on n'a pas pris l'échiquier, je vous informe que l'ITI est également ouvert pour pouvoir recevoir vos éventuels dons. Et je ne saurais terminer ce pas sans dire que nous avons un formidable monsieur qui pilote ce projet, Wemba Sangan-Georges, que je vous demande également d'applaudir amplement. J'ai promis que je n'étais pas long, mais je vais quand même terminer par la communauté à la tête de laquelle je suis aujourd'hui, pour vous dire que si nous vous demandons de nous aider, c'est parce que nous-mêmes, nous nous aidons beaucoup. Aujourd'hui, Sa Majesté est là et pourra le témoigner. Nous avons à notre actif un bâtiment construit au lycée technique de Bachimou pour plus de 15 millions. Nous avons à notre actif des latrines construites au CS bilingue de Bachimou. Nous avons à notre actif du matériel médical envoyé au dispensaire. Nous avons à notre actif des participations au projet de route. Nous avons à notre actif des dons d'ordinateurs. Bref, nous avons à notre actif pour la chaufferie
le nom d'un groupe électrogène. En tout cas, nous pensons à notre groupement et nous vous prions cette fois-ci de nous aider à terminer le chantier. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, majesté, je ne saurais terminer sans dire que il y a des personnes que l'on remercie. La présidente a dit tout à l'heure, il ne faut jamais oublier celui ou celle qui partage votre vie. Parce que le métier que nous faisons ou la tâche que nous accomplissons est extrêmement lourde. Donc je voulais dire merci à ma charmante épouse qui m'assiste dans cette lourde tâche. J'ai un conseiller qui est dans la salle, Bezepe Salon, à qui je dis un immense merci pour ses conseils. Je pense que si j'ai mal fait, vous pouvez lui demander des comptes. Nous avons dans la salle Maître d'Ange Evelyne qui est parti du Cameroun, qui devait aujourd'hui être en Europe, mais qui a choisi de faire faux bon pour être avec nous. Je l'en remercie grandement. Et puis pour terminer, on dit qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Il y a une très grande dame qui a pris la parole tout à l'heure et qui vous a parlé. Cette dame, je pense que ses œuvres au profit du village Bachingou sont tellement immenses qu'on a du mal à la présenter. Maître Tchombo Ganso Sylvie qui est là aujourd'hui, vous devez savoir qu'elle n'est pas simplement la marraine des reines-mères sur le plan extérieur, elle est aussi au niveau de la communauté Bachingou le pivot, celle-là qui entreprend. Et si aujourd'hui, pour vous donner sa dernière réalisation, si vous allez à Bachingou, vous allez voir qu'elle a décidé de faire seule l'entrée de la chicorée, ce qu'on appelle chez nous le fobo. C'est cette dame qui l'a fait. Et prochainement, vous savez, il y a la route qui passe à Bachingou. Et nous vous attendons à Bachingou. Soyez certains, elle a pensé à votre hébergement. Vous allez avoir d'ici quelques mois l'inauguration d'un complexe hôtelier qui est une œuvre de Maître Sylvie Ganso et je la remercie encore grandement. Voilà, chers frères et sœurs, pour vous qui venez de loin, pour toutes les associations sœurs, pour tous ceux les invités, désolé d'avoir été long, je vous dis un immense merci à tous ceux qui ont travaillé avec moi. Je parle de Diane Gendon, je parle de Mbe Noufe, je parle de la présidente Alice Dieu qui n'est pas là aujourd'hui. Vous savez combien je vous tiens à cœur. Merci, bonne soirée et que la fête soit belle. Juste une petite précision. Vous savez qu'on est à l'heure des médias et que les images et le son vont à la vitesse de la lumière. Madame le ministre Célestine Kétia-Cortès, la reine-mère Meshagou, quelques petits, a dit au peuple Bachingou, le Sérac va vous offrir tout ce que notre chef de communauté a cité tout à l'heure. Et c'est la communauté Bachingou qui a décidé d'apporter 100 millions. On dit que quand un enfant se... quand on lave un enfant, il faut qu'il frotte au moins son ventre. Donc la communauté Bachingou a décidé d'apporter à cette œuvre du Sérac et du soutien du gouvernement la somme de 100 millions. Mais ce n'est pas Madame le ministre qui a demandé les 100 millions. C'est pour la bonne compréhension de tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs.